Salut, on est dans le quartier des Buères à Villeurbanne, un quartier pas franchement résidentiel, voire même carrément populaire, où il y a un énorme sentiment d'abandon. Et on va retrouver un de ses habitants qui va nous faire la visite du quartier, un habitant qui fait figure d'autorité, c'est Boilem. Donc pour ça, on prend le petit raccourci qui va bien et qui me fait particulièrement peur. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bienvenue dans le quartier. C'est gentil. C'est les Buères. C'est toute ta vie, les Buères? Une bonne partie. C'est un quartier plutôt chaud, c'est ce qu'on raconte. C'est un quartier pour quelqu'un d'extérieur, c'est très chaud. Bien sûr, il est chaud, mais il n'y a pas que ça. Malheureusement, avec le temps, avec pas mal de négligence, le quartier s'est quand même pas mal dégradé. Et on le voit sur le bâti, mais les personnes, elles sont là. Il y a une vie de quartier quand même importante. Socialement, on voit les mêmes personnes, les mêmes profils et beaucoup de personnes qui sont quand même sans emploi, des familles monoparentales, des jeunes, pas en déshérence parce qu'ils sont toujours là, ils sont toujours propres, ils sont toujours fiers, mais qui tardent quand même à trouver leur place. Quand on commence à avoir que des profils bien précis, qu'une population bien précise, à force, quand on rajoute des problèmes, des difficultés à des difficultés, ça ne crée que des difficultés de plus. Bonjour, donc. Bonjour. Il voulait voir des jeunes, je dis voilà, la plus jeune du quartier. Bonjour à vous. Bonjour, ça va? Très bien, et vous? Chaud, heureusement qu'on a des arbres là. Moi j'ai 76 ans. Hein. Et vous savez pas, c'est que j'ai vu en lisant le journal. Passe ton temps à lire le journal? Oui, tous les jours. Que le 51, ils allaient être démolis. Derrière, il y a un terrain de foot. Et vous savez ce qu'on a appris? Le terrain de foot est transformé en parking. Ouais. Moi je pense que si on enlève tout ça aux enfants, l'avenir, c'est les enfants. Quand ils ne peuvent pas se défouler quand ils sont petits, parce qu'on a des tout petits appartements, plus tard, ce sera la violence. Hein. Et c'est tout. C'est comme ça. Hein. Bonjour. Salut. Ça va? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe, la vie au Buères? On est un peu le quartier oublié. Faut dire ce qui est, il n'y a rien pour les jeunes. Quand on a demandé quelque chose, on nous a mis une table de ping-pong en dur. Alors, il peut y avoir des petits trafics de rien du tout, mais c'est pas non plus le Bronx ni quoi que ce soit. Moi, ça fait 20 ans que j'habite là, j'ai jamais eu de problème. On est quand même une famille, je veux dire, il y a un décès, tout le monde y va pour soutenir la famille. Il y a une maman qui a un souci, elle peut obtenir de l'aide d'autres mamans. Il y a beaucoup de solidarité quand même dans ce quartier. Salut Marez. Salut Marez. Bonjour. Bonjour. Marez, il a fait un travail depuis toujours envers les jeunes. C'est la population qui est difficile à toucher. Tout le monde se connaît, on a tous grandi ensemble. Ce qui nous attriste, c'est que voilà, regardez par exemple, il n'y a aucun soutien de la politique de la ville. Regardez les commerçants. La plupart ont le rideau baissé. Vous trouvez ça normal? Il faut que ce genre de quartier devienne une priorité nationale, qu'il y ait un plan banlieue, décrété par l'État. Afin justement d'aider toute cette population qui aujourd'hui trime galère et misère.